Nous allons nous prendre en charge, comme vous nous avez dit. Lorsqu'il y a un problème, prenez-vous en charge et nous n'allons jamais trahir le Congo. De Kuluna, ça c'est la République. Nous, nous respectons notre alliance, nous sommes là. Nous sommes venus ici, on n'a pas cassé, mais tu as interpellé les banques. Pas gagné à l'élection. Là, je l'ai dit, comme processus électoral. On n'a pas ingénié. Est-ce qu'il y aura, vous avez trouvé une solution? Il y a une solution à ça? Bon, il y a les autorités qui sont là. Nous, on a fait ce qu'on a fait. Nous sommes venus déposer notre moment et soutenir nos élus et ainsi que l'autorité morale, le Raïs. Le père de la démocratie, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut respecter ce jeune qui a sacrifié sa jeunesse à l'âge de 29 ans. Il a accepté de diriger le Congo. Aujourd'hui, le président qu'il a trouvé, il les a laissés en face de nous. Le Rwandais qui est venu ici, Kabila a trouvé le Rwandais là. Et Sassou Nguesso, ils sont là nombreux. Mais Kabila a laissé le pouvoir. A laissé le pouvoir. Qu'on le respecte. S'il vous plaît, qu'on le respecte. Nous nous respectons Félix, qu'eux aussi respectent Kabila. Des histoires comme des Kuluna, ça c'est la République. Nous nous respectons notre alliance, nous sommes là, nous sommes venus ici, on n'a pas cassé, mais tu as interpellé les banques. Pas gagné à l'élection. Là je l'ai dit, comme processus électoral. On n'a pas ingénié. Est-ce qu'il y aura, vous avez trouvé une solution? Il y a une solution à ça? Bon, il y a les autorités qui sont là. Nous, on a fait ce qu'on a fait. Nous sommes venus déposer notre moment et soutenir nos élus et ainsi que l'autorité morale, le Raïs. Le père de la démocratie. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut respecter ce jeune qui a sacrifié sa jeunesse à l'âge de 29 ans. Il a accepté de diriger le Congo. Aujourd'hui, le président qu'il a trouvé, il les a laissés en face de nous. Le Rwandais qui est venu ici, Kabila a trouvé le Rwandais là.
Sassou Nguesso, ils sont là nombreux. Mais Kabila a laissé le pouvoir. A laissé le pouvoir. Qu'on le respecte. S'il vous plaît, qu'on le respecte. Nous nous respectons Félix, que eux aussi respectent Kabila. Président Nabango a violé la constitution. Discipliné et j'appelle à infiltrer. Oyoto ko identifier bango. Baza ya PPRD te ko ba ya PPRD bazo ko landa consigne. Tala ndenge batai bazali batanda miao. Oyoki? Merci. Yangwana, tout ça, marche au pour manifester mécontentement d'Abisso vis-à-vis à Axouana au Bamba Pozaki. Non, mais que toucher coalition, il sera la question que va faire comprendre Bango que on est de frères et s'il y a un malentendu, et Bango, il faut arranger Yango d'une manière positive. Citoyen congolais, il ne peut pas se comporter de la sorte. Piller, saccager tout un bureau d'un citoyen congolais tel que vous, ça, la police ne peut pas accepter cela. Laissez-nous, donnez-nous du temps, nous allons faire le travail avec le commissaire provincial pour que l'ordre soit rétabli. Voilà. Riblin, toi, matin à Tipo. Matin à Tipo, pardon. Matin à Tipo, matin à Tipo.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. Quatrième président de la République démocratique du Congo et 17 ans passé au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité. Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côté, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Tshikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Jeanine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale. Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Kolungu Doug, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbéné, le bourgoumestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC, de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.